Antoine Appelfeld, nous avons la chance à l'École des loisirs d'avoir le premier livre publié pour la jeunesse d'Aaron Appelfeld. Ce grand auteur qui a 82 ans a donc décidé de livrer aux jeunes à partir de 9 ans l'histoire qu'on connaît bien d'Aaron Appelfeld, de cet enfant enfui pendant la guerre en 42 qui va donc être dans la forêt perdue. L'intérêt, c'est qu'en fait il mêle deux petits garçons très différents et on va voir comment ces deux enfants réussissent à s'en sortir et à échapper évidemment à la Shoah et à tout ce qui s'ensuit. Illustré magnifiquement par Philippe Dumas. Nous faisons venir d'ailleurs Aaron Appelfeld d'Israël en France le 26 mai pour qu'il puisse parler de ce désir qu'il a eu à 82 ans d'écrire son premier livre pour la jeunesse. Un livre très important, essentiel. En Israël, tous les enfants doivent aujourd'hui à l'école le lire, tellement il comporte des événements historiques et en même temps philosophiques fondamentaux. Un amour de livres.